Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Aujourd'hui, ça y est, la Betty Boop est terminée. Donc j'ai fini aujourd'hui la Betty Boop, j'ai fini la dernière partie, tout le bas. Donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Elle est super belle, j'adore, voilà. Mon ressenti, ben, que du positif. Elle a été très facile à faire. Elle a bien collé partout. Il n'y a eu aucun problème. Il n'y avait aucun défaut sur la toile. Au niveau des perles, je n'ai eu aucun déchet. Il me reste beaucoup de perles. Que j'ai déjà rangées, à l'heure où je vous parle. Il me reste pas mal de perles. Donc, ça a été vraiment nickel. Donc, si vous voulez prendre ce kit, allez-y, les yeux fermés. Ouvrez vos yeux quand même pour taper sur l'ordi. C'est plus pratique. mais vous pouvez l'acheter sans problème. Il est vraiment nickel, nickel. Voilà, j'ai vraiment eu aucun problème sur ce kit. Là, maintenant, il me restera, comme pour les autres kits, à lui trouver un cadre. Je verrai quand. Bon, là, je sais que ce matin, je suis allée à Action pour chercher. Alors, à la base, je suis allée à Action. Enfin, je voulais aller à Action parce que j'ai vu que la machine de. Bon, moi, j'ai la Big Shot, hein, vous le savez. J'ai vu que la machine de découpe est en promo cette semaine. Elle est à 10 euros moins chère que d'habitude. Et du coup, moi, ça me plairait de l'acheter malgré que j'ai la Big Shot. Parce que des fois, le soir, si j'ai envie de faire des cartes ou du scrap ou voilà quelque chose en bas, ça m'embête de descendre la Big Shot et tout, qui est grande, lourde et tout. Donc, je voudrais avoir une petite machine que, comme ça que je peux transporter, que je peux descendre en bas dans mon salon. C'est plus pratique. Voilà. Donc, à la base, hier soir, quand j'ai vu que c'était en promo, je m'étais dit, demain, j'irai la chercher. Et puis, en fin de compte, j'ai pas pu aller la chercher. J'ai pu aller à Action, mais c'était pour aller chercher une cafetière. Parce que ce matin, je fais mon café. Et puis, ma cafetière a rendu l'âme. Voilà. Ça crachait de partout. Alors, on l'avait déjà détartré. Hein. On l'a détartré déjà plusieurs fois et tout. Et puis, là, non, c'est fini. Elle a rendu son dernier souffle. Donc, du coup, priorité à la... Pardon. Priorité à la cafetière. Hein. Donc, je verrai dans la semaine s'ils ont encore les machines de découpe ou pas. Bon, tant pis, hein, s'ils n'en ont plus, c'est rien, on attendra plus tard. Mais là, c'est parce que surtout, elle est à 10 euros moins chère, elle est à 29,95 au lieu de 39,95. Donc, ça valait le coup. Bon, on verra bien. Donc voilà, pourquoi je vous disais que j'avais été à Action ce matin? Oui, alors oui, donc j'avais été à Action du coup pour voir pour une cafetière. J'en ai pas trouvé d'ailleurs. J'ai dû aller au supermarché sur le parking à côté. Là j'en ai trouvé une. Et du coup en même temps je vais regarder les cadres chez Action. Mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et... Les grands, je ne veux plus en acheter chez Action. Les très grands, je ne veux plus. Parce qu'eux ne sont pas... ils ne sont pas solides. J'ai eu le tour, vous rappelez, je vous ai déjà dit, je ne sais plus, il y a quelques temps, que j'ai des cadres avec les Diamond Painting qui sont tombés. En pensant que c'était les accroches en... Enfin, si, c'est à cause aussi des accroches... autocollante qu'on met sur le mur pour les cadres. Mais bon, j'avais refait le cadre et tout, et j'avais remis, et puis en fin de compte, non, ça gondole avec le poids du diamond painting. Une fois que toutes les perles sont mises, la toile, elle est lourde. Et du coup, le cadre gondole. Et puis, ça ne tient pas, ça part.
les barrettes ont, enfin, c'est pas du bois, c'est du plastique. Les barrettes, ben, se gondolent. Donc, pour les grands cadres, je n'en veux plus chez Action. Je vais les prendre chez Leroy Merlin. Par contre, pour les petits, genre 30-30 ou les 30-40, 30, ouais, ça doit être 30-40, je crois. Jusqu'à cette taille-là, ça va. Mais en fin de compte, bon, je voulais regarder pour les 30-30, et il n'y en avait plus. Les 30-40, il n'y en avait plus non plus. Donc, si, il y avait les grands. Les grands, ça, il y en avait, mais ceux-là, j'en veux plus. Alors j'attendrai, ou sinon un petit peu à la fois, je les achèterai tous chez Leroy Merlin. Mais les grands cadres, non, je les prends plus chez Leroy Merlin, parce que chez Action, pardon, parce que ben, pour les diamond painting, ils sont pas assez solides. C'est trop lourd pour le cadre, pour l'encadrement. Voilà. Je sais pas si ça n'arrivait qu'à moi, hein, mais moi ça m'est arrivé sur plusieurs cadres, donc je pense que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Et puis ben, j'ai pas envie d'abîmer mes DP avec des cadres qui vont se casser la figure à chaque fois. Voilà. Bon, ceci dit, petit aparté. Donc voilà, là vous allez voir la suite et la fin donc de ma Betty Boop. Je vous rappelle que ce kit, je l'avais eu en partenariat à la boutique FG Normal. Donc, je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien également pour retrouver ce kit directement. Et là, je pense que ce soir, je vais préparer le deuxième kit que j'ai eu chez eux. Oui, c'est celui-là que d'ailleurs, j'ai déjà descendu. Donc, je vais le préparer ce soir. Et c'est c'est quoi le dessin? Une cascade. Je ne sais plus si vous vous rappelez. C'est la cascade avec des tons violets, noirs, gris, un peu bleu. Voilà. Le très grand, il fait 1 mètre sur 50 ou sur 55. Donc, c'est aussi avec des perles rondes. Mais bon, je vous ferai une vidéo de présentation et de préparation comme je fais d'habitude pour celui-là. Donc voilà, je vais vous laisser regarder donc cette vidéo. Une autre petite aparté pendant que j'y suis. Pendant que je faisais mes courses ce matin, donc je suis allée à Match pour trouver une cafetière que j'ai trouvée, pas chère. J'en ai trouvé une à 14 euros. Ouais, j'achète plus des cafetières très chères. Là, celle qui vient de rendre l'âme, c'était une Moulinex. Et comme il n'y a que moi qui bois du café le matin, j'ai dit ça sert à rien d'acheter une cafetière très chère. Et après, je suis allée finir mes courses chez Aldi. Et chez Aldi, j'ai trouvé ça. Voilà, un tapis de découpe. Alors, de découpe, mais vous voyez, il est fin. Hein. Donc, il ne doit pas être auto-cicatrisant. Je l'ai pris en attendant de pouvoir me racheter celui, comme je vous disais, en vert. Pas la couleur verte, hein, la matière, le vert. J'attends de le trouver en promo quelque part. Et j'ai repris celui-là parce que comme ça, quand je fais des vidéos... vous savez que le mien qui est là est mort, hein, il est entailladé de partout, et puis ça, bah, du coup ça fait dégueulasse. Et au moins quand je ferai des vidéos, que je refais des vidéos avec la caméra, enfin le téléphone par-dessus, quand je vous fais des cartes ou autre chose, là, ce sera beaucoup plus propre quand même que de mettre mon vieux tapis qui est tout dégueu. Enfin, il est propre, je l'ai lavé, mais je veux dire, il est tout abîmé. Et donc, j'ai trouvé celui-là, donc il n'est que d'une face. Hein. Donc, j'ai trouvé celui-là chez Aldi ce matin à 3,99 €. Ça va. Hein. Mais je me dis, bon, vu le prix et puis vu l'épaisseur, c'est pas un auto-cicatrisant. Hein. Voilà. Mais bon, ça fera le jeu quand même
surtout quand je fais mes vidéos. Et puis, c'est pas sur celui-là, je ne vais pas couper. Je m'en servirai que quand je me sers de ma machine à découper ou quoi. Quand j'aurai du carton ou des choses comme ça à découper, là, je me servirai du vieux tapis. Donc, voilà. Bon, je crois que j'ai fini de papoter. Alors, on est, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, le jour du concours s'approche. La vidéo est prête. Je n'ai plus qu'à la mettre en ligne. Donc, soyez prêts au taquet début septembre, hein, le 1er septembre, pour participer au concours. Voilà. Allez, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bon visionnage. Gros bisous.
Thank you.
Thank you.